J'en suis que les accusations de pillage et de dilapidation sont nulles. Et vous feriez mieux de me remercier pour the optimal allocation of resources et l'allocation optimale des ressources que j'ai mise en place. Oui, c'est quand même moi qui vous ai sorti de la trappe malthusienne. Oui, de la merde, si vous réveillez. N'oubliez rien dire. Soit sur vos propos, soit au Moyen-Âge, vous choisir. Regardez-vous. Qui est-ce qui, ici, n'a pas été créé de même? N'est-ce pas l'écologie? Ah, tu me fais bien rire! T'arrives des siècles en retard, persuadé qu'on va tout changer! Il faut faire table rase de tout ce qui a été fait avant toi! Tu défends ta science sur les héros qui allaient sauver l'humanité de cette terre! Mais au final, tu vas bien foutre dans l'homme! Oh, et tu n'y es pas arrivé tout seul, hein? Non, t'en aurais été incapable! Tu t'es appuyé sur le pouvoir, notre grand frère, le fils en ligne, celui qui a toujours fait tout le contraire de ce que disait maman! Celui qui nous a monté les uns pour les autres, qui a détruit la rue, la faune et la flore qui est née entre nous! T'as pas honte! Viens de le voir, dès que la hiérarchie faillit, on ne s'entend plus parler. Messieurs les juges de grâce, je vais tâcher d'entreprendre sincèrement, honnêtement, ma défense. Il est vrai qu'étant petit, j'ai observé la misérable condition de celle que j'aime tant. Je viens entendu parler de notre mère, la pauvre femme que ça n'avait plus donné de la tête, occupée qu'elle était, elle est seule, ça va dans le projet futur. J'ai donc pris par sacrifice la place cruellement occupée. Je me suis dévoué, mais messieurs, on m'a hué, ostracisé. Ma sœur, là, notamment, éternelle, jalouse, ça me donnait à cœur joie pour me traiter de tous les noms. Elle était faible, et les longues journées qu'elle occupait à compter les nuages ont un peu aigri. Moi, aigri? Mais enfin, je suis le lien entre l'homme et le bon. Celui apprend à voir ses manifestations, à comprendre sa présence en toute chose, et par là, je détache son sublime esprit de sa grande. Et le lambre des étoiles! Accusez plutôt la science avec tout son charabia réel et naturel! Elle finit par vous déshumaniser. Et puis cette arrogance, comme s'il ne faisait jamais durer! Bien! J'ai bien entendu les contre-arguments formulés à mon encontre. Analysons-les point par point. Premièrement, là, je me reproche mon arrogance. C'est pas Einstein qui se fout de la relativité. Bref, deuxièmement, m'a reproché de déshumaniser la réalité par ma rationalité. Vous défendez la théorie d'un modèle de traction universelle qui attirerait irrésistiblement l'humain vers l'extraordinaire. Cette conception est certes très critique, mais malheureusement, je n'ai pas à m'en soucier. Je me soucie de la vérité. Elle est mon but et ma méthode. Je ne vis que pour elle. Empiriquement, il apparaît que l'humain est composé de molécules dont nous connaissons l'origine et les propriétés, dont nous pouvons calculer la trajectoire et le comportement. Vous vous vantez d'avoir les yeux dans le ciel, je suis fier d'avoir les yeux sur terre. Mais bon, vous partagez cette erreur avec la religion. Sauf que moi, on ne se fout pas sur la gueule en mon nom. Je connais l'humanité depuis qu'elle est toute petite. J'ai assisté à ses cauchemars. Elle était hantée par la dureté de sa vie, hantée par l'ignorance de sa foi. Alors, je l'ai promis après la mort. J'ai écrit sa vie. J'ai chassé.
croix, portant ta croix, traversant une foule qui te crachait à la figure, pour collaborer le petit adolescent capricieux inutile. Moi, inutile!